J'ai connu le centre social à l'âge de 8 ans. J'y allais au tout début pour de la danse. Et à l'âge de 12 ans, c'est là où j'ai eu la proposition pour le judo. J'avais en tête de faire les arts martiaux parce que je rêvais toujours d'être une Jackie Chan au féminin. Mais le judo, je ne connaissais pas du tout. Par la suite, j'ai poursuivi et ça a été une carrière d'athlète de haut niveau. Donc j'ai été aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Donc ce que j'ai apprécié au centre social, ça a été beaucoup les activités extérieures. J'ai pu par exemple découvrir l'île du Frioul. C'est des activités que je n'aurais jamais pu faire avec mes parents. Et vraiment, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de merveilleux. C'était les retrouvailles, les copines, les copains. Et puis il y avait ce côté où vraiment c'était chaleureux, on va dire ce côté famille. C'était ma deuxième maison. Ouais. Physiquement, moi, je partais bien costaud. C'est-à-dire qu'à l'âge de 12 ans, je faisais 70 kilos. Et les 70 kilos, c'est les 70 kilos que je fais maintenant, mais en muscle, mais à l'âge de 40 ans, c'est pas la même chose. Le judo m'a permis, avec le centre social, de me forger un caractère. Ça nous aide mentalement, mais aussi physiquement. Donc c'est un bien-être en général.